Néanmoins, le rappeur n'est pas entièrement satisfait. Kanye West attendait cet article depuis plusieurs mois, certains diront depuis plusieurs années, voire toute sa vie. Le rappeur est enfin entré dans la liste exclusive des milliardaires établie par Forbes. Avec une fortune estimée à 1,3 milliard de dollars, l'interprète de Power réalise donc un de ses objectifs, comme l'explique le journaliste Zakomale Greenberg, auteur de l'article de couverture du magazine. Il n'y a qu'un chiffre qui compte pour Kanye. Le milliard, mais de dollars. Et ce chiffre compte beaucoup, peut-on lire dès le premier paragraphe. Pas compte. Pour autant, le rappeur et entrepreneur, à la tête de l'empire Yeezy, qui milite depuis plusieurs mois auprès de Forbes pour être inclus dans la liste, ne semble pas tout à fait satisfait. D'après ses calculs, le magazine a très largement sous-estimé sa richesse. De près de 2 milliards de dollars quand même, c'est 3,3 milliards de dollars puisque personne chez Forbes ne sait compter, a-t-il envoyé par texto aux journalistes avant la publication de l'article. Pour un artiste à l'ego géant comme Ye, un tel affront ne passe apparemment pas du tout. Mais Zakomale Greenberg se défend en expliquant que Forbes applique la « règle Trump », qu'il présente comme le « mentor » du rappeur. Depuis des années, Forbes a une règle informelle pour Trump, on prend ce qu'il déclare être sa fortune personnelle, on la divise par 3, et on part de là, écrit-il. Quoi qu'il en soit, le message est clair pour ceux qui l'ignoraient encore, Kanye West est riche. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của trong ngày. Và vì dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca Covid nào 19